Bonsoir! J'ai oublié de mettre ma cam. Oh, quel bazar! Bon, ce soir, saison 2, Prime 14. On en est bientôt à la fin. 14, 15, 16, 17. Il nous reste 4 Prime à voir. Allez, c'est parti! Ils veulent la célébrité. Ils rêvent de succès. Ils attendent la gloire. Ils sont 16 à vouloir devenir star. Star! Il est full cuir! Avec Phil Collins. Oh là là. Gérald De Palmas, Laura Pausini, la belle italienne. Oh là voilà. J'allais dire, s'il y a une femme 100% qui dit belle. Laura Pausini, la belle italienne. Oh là là. Et le génie de la soul music, j'ai nommé Ray Charles. Oh la vache. S'il vous plaît, une pensée toute particulière pour Madame Maretti Carpentier qui nous a quittés cette semaine. Maretti et Gilbert Carpentier, cette émission vous est dédiée. Bonne soirée à tous. Oh là là, puis l'autre. Allez, la Star Academy, allez. C'est du show. Allez, les morts, c'est bien, mais allez. Du spectacle, de cette compétition peu commune. Ah, on peut le dire. Trois semaines, juste avant ça, on peut, ça, on peut le dire. Je vais être éliminé le jour de votre nomination. Comment vous avez fait? C'était quoi le déclic? Le déclic, c'était, c'était voilà, d'avoir cru que la prod, peut-être, qui a cru au moins. Bonne chance à vous, en tout cas, et bravo à vos deux autres camarades. C'est un trio de choc. Ça va être de plus en plus serré. Bah oui, ça va être de plus en plus serré parce qu'ils sont plus que trois là, Nikos. Mais il est con lui ou quoi? J'ai deux plus de voix. Deux autres élèves sont partis. Oh là là, ouvre les yeux. Oh dommage, on a vu que c'était une bande-son. C'est triste. Faut pas mettre des trucs en fade-out, les chéris, ça se voit. Regardez. Oh, c'est... Le petit moment de silence. Apprécie juste le petit moment de silence là. Oh là là, c'est très triste. Vous allez interpréter des chansons de votre nouvel album. Deuxième album déjà. Paris Latino. Star Academy fait sa boom. Ah, Fabien, il a pas perdu de temps pour aller à côté d'Emma, c'est vrai. Regardez. Votre reconversion dans la vie. Oh, oups. Vous voulez reprendre vos études? Si je veux. Oui. Alors. Voilà un exemple pour la jeunesse, mesdames, messieurs. Jérémy. Mais tu l'as accepté dans la Starac de base. Le mec avait même pas 18 ans. Genre, un exemple pour la jeunesse. Bah non. On peut avoir son bac. Faut on peut faire des études. Mais pourquoi... Je viens de capter un truc. Attendez. Je viens de capter un truc. Pourquoi c'est Nazim qu'on a fait chier avec son bac, alors que oui, Jérémy aussi, il avait 17 ans et demi, 18 ans, il devait passer son bac aussi. Pourquoi on l'a pas fait chier lui et pourquoi on a fait chier Nazim? Avant de partir, passage obligé dans la classe de terminale qui aurait dû être la sienne s'il n'avait pas intégré la Star Academy à la rentrée. Ben voilà! Voilà! Il lui aussi, il a séché les cours! Oh le mec! Oh là là! Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une classe de mecs, ouais! Nos élèves sont en train de se préparer en coulisses. Ils vont chanter une chanson de leur dernier album qui s'intitule Paris Latino. Alors, c'est une des rares... Oh oui, Paris Latino. C'est rare, ça fait drôle d'être... Quoi, ses cheveux, Kamel? Le mec, c'est sa synode. Il sort de la douche, il est... Ça va? Ouais, ouais, ça va. Pour que tout le monde puisse reprendre les mêmes mouvements que nous. Ah oui, je me souviens. Alors, donc le... Oh la vache. Oh le brain, là, d'un coup. Je me souviens de ce moment-là, précisément. Je me revois, moi, devant la télé... De Kamel qui nous explique comment reproduire la chorégraphie. Et moi petit qui me dit bah go on y va quoi. Et je me souviens pas de la choré. Mais alors ça va être une dinguerie. Le titre c'est sur Paris Latino. J'espère que vous allez danser ça tout cet hiver et aussi cet été. Si vous savez. On avait envie de partager quelque chose avec vous. Donc je vais vous demander à tous de vous lever, de vous déshabiller, de vous déshabiller mais par la suite. Oh là 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 là. Putain. Beauf de France. Il est à moitié Gilles de la Tourette, non? Alors, le mouvement est simple. Alors, ça va pas... Non, tu vas devoir m'assister, tu vas tenir le micro. Attention. Voilà, merci. Je me lève. Tant d'années d'études. Alors, les mouvements, c'est assez simple. On commence par les jambes. Ça fait droite, gauche, gauche. Droite, à la maison gauche. Aussi, faites-le. Il y en a quatre. Droite, gauche, droite, gauche. Okay. Ok, maintenant les bras. C'est... Et un, deux, trois, quatre. On reprend. Okay. Cinq, six, sept. 8 et 1, 2, le premier 3, cours interactif 4. En direct à la télévision. Maintenant alors, tu tiens bien le micro. Et l'autre, hein, maintenant. Et l'autre qui peut pas obliger. Genre, il est pas content que ce soit Kamel qui a un moment avec lui.
Genre, il est pas content que ce soit Kamel qui parle tout seul, il est obligé de rajouter des petits trucs. Écoutez. Le premier cours interactif en direct à la télévision. Maintenant, alors, tu tiens bien le micro. Hein. Maintenant, c'est vous passez en dessous. 5, 6. Non, mais attends, on n'a pas on vu. On passe en dessous. On passe en dessous. 5, 6. Je n'y crois chaud. Pas là, ce que je suis en train de faire, Nikos. C'est énorme. Tu vois, 6, ça mène à tout. Hein. 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On frappe des mains. Ah, d'accord, on frappe. 5, 6. 5, 6. Et maintenant, on ouvre les deux jambes en même temps et on bouge un petit peu. Les... C'est long, Kamel. C'est long. Et ah, on d'accord. reprend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Maintenant, okay. pas à droite. Droite, gauche, droite fermée. Gauche, droite, pam, fermée. Oh là là, pam, c'est long. Pam, pam, ah, oui. fermée. Bam, 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 fermé. C'est pas... On est tous mais cette non, dame. Droite, on est tous droite, cette dame. Bam, regardez la dame bam, au bam, premier fermé, rang. Bam, bam. Elle est incroyable. Elle se dit, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce délire. C'est je vais en chien. Je suis très nul à ça. Attendez, je bouge ma chaise. Oh là là. Ah oui! Et ça, ça lui va bien! Il a un côté chagrin d'amour! Joséphine blanche, robe rouge et noire, amoureuse folle du reflet dans le miroir. Repartie direct to Mexico, Don Diego de la Vegas à Cap San Bordeaux. Plus personne, voilà Alexandre les voyants, du méga sale. Un zlandi. Attention, je suis. Allez. Hey. Ouais. Et à gauche. Et à droite. On me bouge ce petit fessier. Je te vois mot. Front là qui bouge pas. On n'oublie pas les réinscriptions à la fin de l'année. Oh la vache. Je suis comme eux hein. Star Academy. J'en peux plus. Oh putain. Attendez, il y a ma meuf qui me dit un truc. Elle dit, je t'ai vu danser, je ne rentre pas, je suis reparti. Je rentre pas ce soir. Il va falloir faire marcher le magnétoscope et puis... J'ai noté les noms et ah, voilà. Faire marcher le magnétoscope, bien sûr. C'est un artiste qui n'habite pas en France, mais qui a le satellite. Il est fidèle au poste. Il a le satellite. Il s'appelle Phil Collins. La présentation de De Palmas était plus impressionnante que celle de Phil. Mais oui, c'est bizarre. Phil Collins, on l'a juste décrit en disant « Il a le satellite ». C'est pas comme ça que je l'aurais décrit, moi. Vous connaissez Star Academy. Vous n'êtes pas émus, c'est nous qui sommes émus. Hein ? Nous sommes émus. Ça va être long. Ce 1 de Phil Collins était dingue. Pour moi aussi. On dirait un film de chez Carrefour. Votre micro un petit peu plus près comme ça. Voilà comme ça. Vous connaissez Star Academy. Vous n'êtes pas ému. C'est nous qui sommes émus. Hein? Nous sommes émus. Oui. Parce que... Oriane et moi, nous regardons la télévision. Avec votre femme et le petit... Oui. Non mais le traduit pas. On comprend. Il fait l'effort de parler français. Laisse-le parler français, Nikos. Oui, bien sûr, il a regardé Georges Alain sur sa boule disco, ouais. I just have to say before we start that I watch this every week. She calls out to the man on the street. Même Nolwenn avait les yeux ouverts. Putain, j'ai des frissons, j'adore cette chanson. Putain, la vache Prime quand même. Que des chansons qui bougent et tout, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Même s'il chante pas terrible, il y a un vrai moment là. Phil Collins, quelle générosité. Mais moins aigu. Oh la classe, il parle français, c'est la classe. Putain mais une émission on laisse les musiciens en avant quoi. Mais c'est fou, ça se fait plus ça. Eh bah dis donc. Je me pointe trop souvent les mauvais moments. Et là franchement il faut le dire, c'était un très très bon moment, franchement. C'est pas normal pour lui mais... Non parce que lui commence très bas et il monte très haut. Merci beaucoup. Easy non, mais Phil Collins, regardez, il en a trop marre. Écoutez, il en a trop marre que Nikos lui coupe la parole. C'est normal comme ça.
C'est pas normal pour lui, mais... Non, parce que lui commence très bas et il monte très haut. Merci On monte pas Phil Collins, mais... Glover. Allez, on regarde les images. C'est signé Georges Alain. C'est signé Georges Alain, mais... Oh là, ces trucs de... Oh, c'est signé de... Mais il avait envie de se barrer, pourquoi on l'a pas laissé se barrer, quoi? Regardez, pourquoi c'est dans le montage, ça? Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce point fort? Bien. Mais non, il y croit pas, il est nominé. Ça t'a remotivé? Mais ils font tout un portrait... Attends, je comprends pas le portrait, là. C'est un portrait hégémonique, presque, où ils sont en train de dire « Oh, là, il s'est vraiment amélioré, là, sur la fin, on veut que ça pour la suite. » Et il est nominé. On n'essaierait pas de le faire gagner, quoi. Pourquoi on lui met une guitare dans les mains et on met une bande sonore aussi forte? C'est dommage parce que là, il gère hyper bien. Attends, on a que des bons moments musicaux. C'est ouf. Non mais c'est ouf. Ah, ça change de la SketchUp, hein, par contre. Hein. Je pense surtout que tes exigences sont baissées. Oh là là. Oh, l'instru, elle est affreuse. Carafone. www.carafone.com. Jazz et the rhythm blues, Mr. Ray Charles. The... Le rhythm blues. Nous sommes en direct à la Star Academy. Oh là là, il va être gênant. Et je suis en compagnie d'un artiste légendaire. Nikos, alors comme ça, vous ne voyez pas. Ce serait trop... Welcome Ray, music for you and Emma on live oh là Star là. Academy. Mais Nikos qui maîtrise pas l'anglais. Ah, ce soir, le budget de TF1. Ah, ça a sub TF1 là. On a vu un extrait de. Dans le Discord de Touche pas à mon poste, suite aux déclarations de Georges Alain comme quoi la Star Academy était truquée. Et ils expliquaient en fait que quand il y avait 2 millions d'SMS, il se faisait à peu près 1 million de résultats nets. On vit que des bons moments ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Emma, mais... Mais en fait, Nolwenn, même Emma qui chante avec Ray en fait moins que Nolwenn qui est juste cœur. Non mais... Mais pourquoi Emma Domas n'a pas gagné la Starac? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bretagne a voté. Eh ben dis donc. Encore une fois, un grand moment. Mais c'est ouf! Ce soir, et qu'on retrouvera tout à l'heure, il va venir chanter tout à l'heure, Ray. Qu'est-ce qu'il fait avec Ray Charles? Mais oui, mais ce manque de respect envers Emma, regardez. Regardez. Il nous a un grand cadeau ce Allez. Soir. Et quand on Casse-toi. Retrouvera tout à l'heure. Disque. Un autre album. Je me disais, où veux-tu en venir? Ce que je fais dans le château. Mais même Alexia qui fait partie du truc comprend pas les lancements de Nikos et les questions de Nikos. Regardez. Je me disais, où veux-tu en venir? Ce que je fais dans le château. En effet, enfin, là, on est parti plus sur les aspects festifs. Donc, les spectateurs ont eu un... Il y a Phil Collins depuis tout ce temps là, sur le plateau. Là, on est parti plus sur les aspects festifs. Donc, Phil Collins, il bite rien. Il se dit, mais je viens de voir un magnéto. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne comprends pas. Pauvre Phil Collins. Les spectateurs... Call Me, une reprise de Blondie, vous en souvenez? Oh là là, elle est affreuse cette reprise. C'est pour vous, c'est en direct. Attention, brace yourself. Il est full cuir. Il est full cuir. Oh la vache. Il est full cuir. C'est le dernier carré, en fait. Oh là là, là c'est le moment dans le Best of YouTube où je mets Hugo qui fait « Mais il est full cuir !» Mais je comprends pas pourquoi ils sont à SM. Genre c'est un peu rock, donc c'est un peu SM, je comprends pas trop. Ah mais Houssine, le O là, je sais même pas, ça s'appelle comment les O comme ça là? C'est un Marcel ça? Non mais y'a rien qui va dans cette... Oh là là, mais y'a rien qui... Les danseuses en jupe, elles sont habillées comme le duo là, Tatou là, mais c'est quoi ce délire? Ah bah Phil Collins il adore, hein. C'est long en plus, c'est hyper long non? Cuir moustache, la comédie musicale. Ce petit là. Accompagné des danseuses de Kamel. Sexy, très cuir. Hein, oh là 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 là. C'est très là cuir, là. C'est très. L'album, il est fait pour s'amuser, pour faire la fête, et on avait. GG à la régie, le micro de Kamel. J'ai envie de s'amuser, quoi. C'est pour Phil Collins. Merci d'être avec nous, Phil. Ah, c'est plaisir. C'est à vous. Vous êtes en direct. Musique.
Il a pas envie d'y aller, Phil. Phil, oh, faut que je chante. C'est plaisir. Vous êtes en direct. Musique. Oh. 12 ans, je vends ma set de train, you know, le model train. Vous vendiez des tracteurs? Non, le train. Le train. Oui, j'ai vendu. Des modèles de train. Même quand il fait genre, il comprend pas. Tu ne comprends pas, Nikos. Tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. De train. Oui, maintenant c'est 51 ans. Maintenant, vous avez 32 ans. C'est longtemps. Hein. Merci d'avoir été des nôtres, Phil. Mais Nikos, il est pas respectueux, c'est ouf. Bye bye. Ah. Bon, bah. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Ah bah. Au revoir. Écoute... Bye bye. Je crois que c'était mon alerte. Bye bye. Je crois que c'était mon alerte. Bye bye. Il l'a redit trop bien. Bye 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 bye. Bah, c'est ça. La magie star académique. Vous avez des petits problèmes pour gérer votre stress, mais il y a une chose qui est sûre, Aurélie. Vous êtes généreuse. Vous êtes peut-être l'une des élèves les plus généreuses au château, aussi bien artistiquement qu'avec vos camarades. La preuve en image. Oh, Sevran. Oh, Pascal Sevran, 1983, selon Sevran. Oh là 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 là. Vraiment, pour la fois, j'ai peur de la chanter, cette chanson. Vraiment. C'est moi. J'ai vraiment peur de la fois, j'ai peur de la chanter, cette chanson. Elle s'en bat les reins, Nolwenn. Nolwenn, elle est... Elle veut aider personne, de toute façon, elle l'a déjà dit à Anne-Laure. Nolwenn a faim. Ok. Donc c'est un peu énervant, quoi. Oh, bah, oh, 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 oh la musique. Oh la musique non libre de droit. Oh là là. Le DMCA qui arrive comme ça là, boum. Oh, je m'y attendais pas. Et le morceau, il est arrivé, boum, comme ça dans le montage. Oh là là, et en plus, j'avais pas vu le point fort. Prix de camaraderie. Alors, c'est sûr, ils veulent pas la faire gagner. Hein. Là, ce qu'ils sont en train de dire à Aurélie, c'est ça. Fuck you. Oh, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you. Pauvre Aurélie, mais pauvre Aurélie quoi. Ah, elle était en dessous quand même. Oh là là, elle était en dessous hein. Par rapport à Georges Alain tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qu'elle fait? Bien bougé quand il fallait. Oh là là. Vous avez bien placé votre voix, bien chanté. Mais bonne chance. T'es pas prof, Nikos. Qu'est-ce qu'il fait là? On se retrouve dans un instant avec Ray Charles. Ah. Monstre vivant sur le plateau, accompagné de Ginny Lynn, des 10 commandements, la très belle Ginny Lynn. Notre bonne femme aussi, elle est italienne. Une monstre et l'autre, une très belle femme, elle est italienne. De Ginny Lynn, des 10 commandements, la très belle Ginny Lynn. Notre belle femme aussi, elle est... Tu pouvais... Oh, une autre belle femme. Il enchaîne. Putain. Beauf de France. Putain, mais la vache, faut arrêter, là. Georges Alain et Aurélie, que vous allez devoir départager l'un d'eux quittera. Ce sont les filles de la Star Academy. Ah, j'avais pas vu. Mais descendez. Alors, vous êtes bien là-haut? Oui. Ça me rappelle Georges Alain sur sa boule à facettes, hein. Ah ouais, nous aussi, on s'en souvient. Elles sont sur la pointe des pieds. C'est ça, non, non, elles sont sur la pointe des pieds. C'est cringe de ouf. Le plus cringe, ça reste la voix d'Aurélie. Oh là là, regardez Nolwenn. Regardez, 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 regardez. Ça, c'est génial. Quand je vous dis qu'elle joue de ouf, Nolwenn, elle était un peu naturelle avec Nikos, et dès qu'elle voit la caméra, regardez ce qu'elle fait. Regardez. Ah oui, salut la caméra. Putain, mais Anne-Laure, elle chantait si bien. Ah mais Aurélie, elle bouge, elle a le regard bloqué, on dirait, regardez, on dirait un automate. C'est vrai que... Ah ouais. Oh, le robot, quoi. Elle me fait flipper. C'est ça que maintenant, tu le dis. On dirait un répliquant. Wow, très impressionnant. Il y en a encore dedans? Non, c'est fini. Beauf de France. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais on se pose tous cette question. Et c'est vrai que c'est arrêt sur image. C'est cringe de partout ici. C'est cringe de partout. Non mais regardez cette arrivée. Wow, très impressionnant. Il y en a encore dedans? Non, oh c'est là fini, là. Elles sont toutes là dedans. Oh là là. Comment vous faites ça, Kamel? Franchement, c'est pas normal. Il y en a encore dedans, c'est ce qu'il a dit.
J'ai même pas envie de... Bah c'est ça, hein, la Magie Star Academy. J'ai envie de m'investir au maximum pour essayer de les mettre, je sais pas, j'essaie de les mettre en valeur en tout cas. Moi, je me donne à fond, quoi. Avec voilà. Un mot d'ordre, soyez sexy. Sensuel, je préfère. Alors, le mot d'ordre de Kamel, soyez sensuel, et quand les élèves appliquent... Avec un mot d'ordre, soyez sexy. Beauf de France. Moi, soyez sexy. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ses conseils à la lettre. Charles, vous avez dit qu'il ne parlait pas le français, mais qu'il aime le peuple français. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas chanter cette chanson en français avec l'admirable voix de Jenny Lynn et... L'admirable voix. Non mais, tu ne décris pas quelqu'un qui chante en l'admirable voix. Genre, elle fait ce qu'elle peut, quoi. Mais c'est affreux, il est horrible. Quel est votre secret? What's your secret? My secrets? No secret. I just do what comes natural. That's it for me. Je n'ai pas de secret. Je fais tout ça naturellement. Merci, Ray Charles. Merci. Quel est votre secret? Même Ray Charles a été étonné par la pauvreté de cette question. De carrière. Quel est votre secret? Donc là, on lui traduit. Et là, il se dit, attendez, il n'est pas en train de me poser cette question-là quand même. C'est vrai qu'il lui met le micro, mais il peut pas le voir, Ray Charles. Quel est votre secret? What's your secret? Donc là, il lui repose la question, parce que forcément, il se dit, oh, attends, le traducteur a pas fait son taf. Non, non, c'est que Ray Charles s'est rendu compte que la question était pas dingue. But my secret? No secret. I just do what comes natural. Et là, lui classe, That's il le fait classe. Et là, Nico se dit... Secret. Ouais, c'est vrai que ma question était quand même bien azachi, quoi. Je fais tout ça naturellement. Il fait un AVC en entendant la question. Allemand. Mais c'est honteux. Merci, Charles. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Allez, on le laisse au milieu de plateau. Allez, on le raccompagne pas, pas d'élégance, Nikos. Voilà, il a fait la promo. Chut, allez, le taf est fait. On le laisse milieu de plateau. Il manque que de souvenirs. Ils vont en avoir des choses à raconter à leurs proches. C'est pas la Comment ça la que de souvenirs? Voici les plus beaux moments de Georges Alain et d'Aurélie sur le plateau de la Star. Tout ça pour se dépêcher d'envoyer un magnéto nul. Non mais. Ah bah oui. C'est ça le duo le plus sensuel. Ah oui, c'était sensuel. Bah moi, je pense que, en vrai, si je cherchais une définition à la sensualité, j'aurais pris exactement ce moment, quoi. Oh là là. Quelle élégance. Mais quelle élégance de la part de la prod. C'est dégueulasse de remettre ce moment, quoi. Non mais franchement. Est-ce quand on dit la tenue la plus embarrassante, on parle de la tenue d'Alexandre ou pas? Ah, puis il le laisse longtemps le moment en plus, hein. Non, mais c'est bon, on a compris, hein. Non, mais. Pas encore. Oh putain. J'ai deux choses. J'ai envie de rire et en même temps, je me dis, pourquoi ils nous montrent ça? Genre, ah, on se souvient, c'était la semaine dernière! Oh là là. J'ai eu ça dans la tête pendant une semaine. Mais juste cette demi-seconde où elle fait « He's on the water », j'en peux plus de la réentendre. Mais l'élégance, après l'avoir montré qu'elle allait être à moitié à poil, on la montre à moitié à poil, mais c'est pas possible. Ah, ils vont faire Mistral gagnant? Oh là. Donnez-nous de l'émotion. Nos camarades sont là, Jérémy, Anne-Laure, Alexandre. Phil Collins, c'est dans le public, regardez, il n'est pas parti. C'est le meilleur moment. Il y a Phil Collins qui est là-haut et qui fait « Hey !» C'est le meilleur truc. « Hey !» Phil, il adore vraiment... Mais il adore vraiment l'émission. Mais ça change de Julien Courbet à bassin. Bonsoir, Phil. Incroyable, je l'adore. Mais c'est vraiment mis dans le public, quoi. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Mais ils chantent bien. Mais merde, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas mal. Entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Franchement, ça va, hein. Franchement, c'était...
Je l'ai dit la semaine dernière et je le redis cette semaine, l'idée de les faire chanter en duo, je suis déçu qu'il l'ait pas fait depuis le début, enfin, même quand ils étaient trois, de faire des trios, c'est vraiment chouette, plutôt que de les faire chanter les uns contre les autres. Oui, c'est pas transcendant non plus, mais c'est chouette. Ça marche bien, quoi, tu vois, c'est cool. Faut les applaudir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On s'applaudit. Vous, téléspectateurs, vous avez la possibilité d'envoyer des messages SMS avec votre téléphone mobile. Nous prenons ces messages. Il n'y a pas plus ringard, je crois, que quelqu'un. Même si on est en 2002. Même si on est en 2002, il n'y a pas plus ringard que ça. Envoyez des messages SMS avec votre téléphone. Pas plus ringard. Nous allons accueillir ensemble une belle femme. Oh là là, allez, c'est bon. Oh la droite dedans. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu arriver de là-bas. Oh là-bas. Oh, il était sur la 85. Boum. Oh là là. Beauf de France. Oh, direct. Oh là là, direct. Waouh. Nous allons accueillir ensemble une belle femme. Freaky. Comme vous, une belle voix. Oh là là. Une belle femme. Comme vous. Oh là là. Une belle italienne. Elle s'est fait connaître en chantant La solitudine tra noi. Non mais personne ne va reprendre. Les gens parlent pas italien dans le public, Nikos. Elle est douce, elle est sensuelle. Oh. Voici la... Oh là là, elle est douce, elle est... Mais c'est festival, c'est reparti. Nikos, là, tutut, allez, c'est reparti, là. Oh là 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 là. Pff, la route arc-en-ciel du Labo Free, ouais. Ah, puis là, je vais me faire strike parce que le... On entend plus la bande-son que Nolwenn, là. On entend... Vous vous rendez compte qu'on entend même pas Nolwenn tellement la bande-son est à fond les balles, quoi. Non mais c'est insupportable. Les plans, ils sont sales. Je suis désolé, mais les plans... Ah ouais, mais les plans sont horribles. Non, mais elle chante bien, Nolwenn, mais... En fait, elle a tellement d'attitude qui me... Moi, ça me crispe, en fait. Nolwenn en fait trop, à côté de l'Europe aux Uniques, en fait déjà... Que se passe-t-il? Ah, mais Laura, la gosse, de ouf, là. C'est le moins bon moment de la soirée, pourtant Aurélie a chanté. C'est dur, mais c'est vrai. Mais Laura Pausini, elle en fait mille fois trop aussi. Ah, oh, c'est horrible. Zéro alchimie. Restez avec moi, c'est vraiment stupenda, hein. Oh, grazie. Alors là, bizarrement, il parle italien. Alors là, bizarrement, tout à l'heure, Ray Charles, on l'a laissé milieu de plateau, mais alors là, le Porazzo, Laura Pausini, oh, restez avec moi, italiani, italiano, c'est parti, quoi. Oh là là, attention, ouais. Ça va être un grand moment. J'ai une oreillette pour vous. This is for the transformation. Et en plus, la petite oreillette et tout. Oh là 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 là, non, oui. I just have to put in the okay? in the hole of the ear. All right. Hole of the ear. elle vient pas d'Inde. Non mais écoutez-le. Non mais écoutez-le. You just have to put in the hole of the ear. Right. Grazie mille, Laura. Oh, merci à vous. Merci et vous à vous. Ta main. Bonne chance and à tous. Ah mais là il a bizarrement il lui dit pas de regagner. Bizarrement il la garde sur le plateau. Là c'est là il prend son temps. Ciao, arrivederci, Roma. Oh là là là. Mais c'est vraiment un tonton Nikos, quoi. C'est l'Italie, c'est ce soir. Mesdames, messieurs. Quoi? Roma. C'est l'Italie, c'est ce soir. Mesdames, messieurs. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On se retrouve. Il était moins heureux quand il y avait Ray Charles. C'est quand même... Gérald de Palma. Arrivederci, Roma. Italiano. Il était prêt. De deux doigts. Ah mais oui. Ensemble. C'est comme s'il avait dit adios, Madrid. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Deux beaux gosses de la Star Academy. L'un s'appelle Alexandre, l'autre George Allen. Moi, je voyais déjà des cordes, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Accompagné des danseuses Aliane de Kamel Wally. C'est pour vous, c'est en direct, oh là là. C'est une chorégraphie. Pas mal du tout. Oh, c'est parti. Oh là là, il dit, oh là là, mais... Il dit ça, limite, avec la bave aux lèvres. Pardon, mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi ils sont chemise ouverte? Ils ne bougent pas, il y a des filles avec des lianes autour. Et puis Georges Alain chante pas du tout. Ah oui, ils sont pieds nus en plus. Je l'aime d'amour, Kamel Wally, mais pourquoi là?
Mad Max à mes yeux, ouais, c'est ça, ouais. On aurait tous aimé voir Georges Alain danser avec une mienne. Mais pourquoi ils font tous comme ça? Frankie! Oh la vache, Frankie! Oh, le message de Frankie, il est si violent! C'est. Oh la vache! Alors attention! Faut pas faire ça, Kamel! Ça va, mademoiselle? Allez, ciao! Fin de stream, hein. Terminado, hein. Non, mais c'est pas possible! Oh là là! Ça, Kamel! Ça va, mademoiselle? Oh là 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 là! C'est bien là-haut? Faut pas faire ça, il pouvait pas chanter! T'as l'air des filles comme ça! Et il est hilar en plus! Non, mais il en peut plus là! J'ai envie de faire une commande, range ta bistouquette! Il insiste tellement, genre, il y avait des filles, elles étaient en cuir, hein, elles étaient à moitié à poil sur des cordes. Oh là là! Quand t'es dans le désert, Alexandre. La zézette à Nikos. Ça prend une douche froide, Nikos. Pour se changer les idées, spectacle, concert, comédie musicale, ça fait du bien de sortir de temps en temps. Allez, on fait le mur, on est parti. C'est cadeau, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, Cindy! Cindy Deville! Samsar Galaxy! Ah bah, le régal. À l'époque, Franck Dubosc, excellent les spectacles. C'est Alexandre qui parle en premier, vaut mieux que tu sois avec Alexandre. D'accord, très bien. On y va. Puis je vais peut-être devenir chanteur, voire chanteur beau gosse. Peut-être même chanteur beau gosse un peu black. Ah bah, chanteur beau gosse un peu black, Pencas, on est en 2002. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de contexte. Ça me saoule. Il n'y a pas de contexte. On comprend rien. Qu'est-ce qu'on regarde? J'ai pas saisi. En gros, ils sont sortis pendant leur temps de Starac, c'est ça? Ils les ont laissés sortir. Il y a des gens dans des facs qui ont le droit aux gens de la Starac, mais des facs financés par Arthur ou quoi? Quelle fac, c'est ça? Ça n'a aucun sens. Mais c'est quoi cette... C'était pendant un blocus, c'est ça. Mais je pense qu'en vrai, on regarde ça 18 ans plus tard. Mais franchement, souvenez-vous, c'était énorme à l'époque, la Starac. J'ai choisi les mauvaises études. Allez, on y est. Mesdames, messieurs. Allez. Arrivederci, Roma. Vous au centre vous soutient. Va-t-on voir le graphique? Les spectateurs ont voté, en tous les cas. À ce stade de la... Qu'est-ce qui gueule changer là comme un putois, vous avez entendu? Ce soir, vous êtes les seuls juges. À ce stade de... Oh putain, mais c'est coq depuis que je me suis installé en campagne, je n'en peux plus. C'est quoi ce délire? C'est Phil Collins. Je l'ai reconnu. Tiens. Oh putain! À ce stade de la compétition, les élèves de la Star Academy. Ah, ce change-là me tue! Ah, il me tue, le change-là! Je peux le réécouter, je m'en fous, c'est mon live! Gérald, à ce stade de la compétition. Il est incroyable! Il est incroyable! Ce soir. Je vais pas être sérieux au moment où il va annoncer qu'il part! En fait, c'est que je vois Phil Collins qui fait charge là. Ce serait incroyable. Ah, elle savait, elle a dit c'est pas grave. Est à nouveau sauvé. Mais il avait pas envie de rester. Il y a une tournée. Il y a encore eu un Jean-Jean. Vous savez, regardez. C'est préenregistré. Quelqu'un appuie sur un bouton Jean-Jean. Si, merci. Nous allons organiser comme l'année dernière deux demi-finales. La première qui opposera les garçons.
donc Houssine et Georges Alain, et la deuxième qui opposera les deux filles, donc Emma et Nolwenn. Ça me fume dans le public, ils étaient là genre chut, écoute, adieu, il y a un truc important. On sera les garçons, donc Houssine et Georges Alain, et on aura jusqu'au 21. Comme l'année dernière, une finale mixte. Exactement. Pourquoi elle a bugué? C'était clair. Pour une fois que Nikos pose une question. En fait, elle a bugué parce que merde, il a posé une question qui était simple et claire. Regardez. Et on aura jusqu'au 21. Comme l'année dernière, une finale mixte. Exactement. Merci. Ah, merde, c'était une question claire. Là, il regarde dans les yeux. Phil Collins, c'est sa générosité. Oh, Georges Alain, il avait dont pas on envie. On se souviendra très long. Ah bah il passe. Ah, oula. Alors, ils ont dégainé rapidement. Hein. On n'attend pas. Hein. On n'attend pas. Faut que ça rentre. Et pour vous, ça coûtait cher, Ray Charles, Phil Collins, De Palmas et Laura Pausini. Hein. Vous partagez des moments de danse assez terribles et assez sexy et artistiquement intéressants. Voilà les deux. Putain, mais Nikos, il a que le mot sexy à la bouche, en fait. Ouais. Un autre, mon gars. Merci. Nos amitiés à Jennifer Lopez. Salut, Emma. Il y a deux choses qui m'ont choqué. Déjà, Nolwenn n'est pas là. Et vous avez entendu ce qu'il a dit? Non mais... Un autre, mon gars. Merci. Mes amitiés à Jennifer Lopez. Mes amitiés à Jennifer Lopez. Beauf de France. Non mais c'est pas possible, faut qu'il arrête. Ouais, c'est très dur de perdre encore des amis. Non mais ils sont pas morts. Allez, bonne chance. Ah, on verra pas le bus. Merci à Monsieur Bourdon pour la lumière. Ah si, c'est bon, putain, mais oui, forcément. Forcément qu'on la voit, forcément. Incroyable. Comme ça, merci de votre fidélité. Pas de Nolwenn bashing. Mais non, mais arrêtez de dire que je fais du Nolwenn bashing. Je ne fais pas du Nolwenn bashing. Je ne fais que relever comment elle l'était. Dans l'émission, 1, elle minaudait, c'est vrai, par rapport aux autres, elle minaude beaucoup. Et deuxièmement, vous pouvez aller voir les best-of, elle ne fait que ça. Et moi, je suis désolé, c'est une attitude qui me trigger et qui me fait bizarre. Et oui, c'est Jean-Michel Blanquer, le chauffeur du bus. Ah, c'est ça, en fait, c'est peut-être ça que j'ai pas. C'est que j'ai l'impression qu'elle était seule, en fait. C'est peut-être ça aussi, hein. je reconnais. On n'a pas le contexte des quotidiennes. Et ils vont absolument pas montrer ça, à part la semaine dernière où ils nous ont montré qu'il y avait un gros problème avec Georges Alain et Houssine. Mais c'est vrai que peut-être qu'elle était seule. Ça, je veux bien le reconnaître. Bon, allez, c'est bon! Fin! Oh là 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 là! Merci pour votre bienveillance, vraiment. Restez curieux. Bye bye. Ciao! Bye bye! Ciao!